population est en danger, il continue en danger toujours, parce que le complot est toujours là, toujours. Parce que pas oublier que la corruption ici en Haïti sont spaghetti liés. Et au fur et à mesure qu'il y a avancé dans le dossier plutôt caribéen, c'est au fur et à mesure qu'il y a pour être non monde qui apparaît. Et monde qui après les barres volées, puis c'est eux-mêmes qui pi gros voler, là il y en a pas. Donc nous-mêmes nous avons fait ça que et ligne rouge qui était traversée là. Ça veut dire que il y a pas le point à dé bataille peuple là dans dos. Et bien nous-mêmes nous prenons responsabilité comme patriotes, mais pays ça. Nous prenons responsabilité pour nous dire attention, nous-mêmes, nous n'avons pas d'amnistie pour aucun volet. Ni petit volet, sourit, ni moyen volet, rat, ni gros volet, chat. Nous disons tout volet doit à la fois remettre cobla et prendre code. Mais est-ce que dans la discussion, est-ce que tu as des gens sous table là? Bon, répétez pour nous encore. Mm-hmm. Et à plusieurs reprises, le sénateur Nenel Kassi, d'ailleurs, bon, aujourd'hui, il a avoué la vérité. Et par contre, entendez confrère ou Gary Pierre-Paul Charles, hein, et qui dit que Nenel a avoué la vérité. Nenel dit oui, que lui te dit amnistie. Oui, c'est pas de manière formelle, lui dit. Amnistie. Ok? Mais c'est à plusieurs reprises. Et moi-même, c'est cette ligne rouge que l'on dépasse vis-à-vis de l'intérêt pays, n'a pas rien fait. Parce que l'on dit intérêt supérieur d'Haïti, le moi-même, Jean-Baptiste, moi dit, m'a monté n'importe qui pied coco et tête en bas, c'est une vérité absolue. C'est cette ligne rouge. Ou pas capable, mon ap mourir dans la rue. Business pour nous craser, ou population, yon déchepillé li, n'en fait de brasserie deux fois par année dans le carnaval, parce que là, ça moi-même, d'après, attention, on m'a gagoté l'argent là. Le moi-même dans l'élection, d'après les protocoles, côté l'argent, il a dépensé. Et que je dis, ou pour une population qui campait capement des côtes comme là, et puis plein pas, comme moi habitué, voler dans le Sénat, et que l'offre une voler dans le Sénat, ou capable. Je ne pas citer non. Comme ils ont habitué voler, ou pas connaître que c'est voler, ou pas connaître dans des chaque jour, tout ça qu'on dit. Comme ils ont habitué voler, dans le Sénat, et puis qu'on y a là, même le yo bay tek yo décharge dans le Sénat, mais en dehors de Parlement, yo pas cap bay tek yo décharge, donc qu'on y a, y a assauté pouvoir politique là, puis y a bay tek yo amnistie. Et qui t'aime, il y a plus loin pour vous. Ce sont pas, c'est pas la plupart de politiciens corrompus, ça, non seulement qui l'a donné. Ou est-ce que je dis, bon, le palais national, il y a prié, bon Dieu, pour officier Eric. Dans le secteur privé, haïtien, il y a prié pour officier Eric. Vous comprenez ça? Parce que tout le monde est content de l'amnistie. Parce que l'argent est en main. Depuis que nous connaissons qui volait l'argent plutôt Caribé, il est content de l'amnistie. Ça veut dire que ça, ça veut dire que quitte ce pouvoir, je ne parle pas de pouvoir. Je ne parle pas de pouvoir actuel là, non? Je parle de pouvoir qu'il a depuis sous président Préval. Je parle de pouvoir qui passait dans le premier tête calé, Michel Martelly. Je parle de pouvoir transition. Parce que moi, André Michel, Chita, chaque jour, lui a dit que le président Jocelyn Privert, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que moi, je fais élection avec le pays, chaque jour, il a répété, président Jocelyn Privert, c'est gros volet. Et puis, quelque part, il est capable de dire, et professeur Anthony Barbier, corrige ça. Parce que le professeur Tony Barbier, c'est directeur exécutif, secrétaire général exécutif par l'air, le chita bon côté et André Michel qui a dit ça, il va me démentir. Il va me démentir. Donc c'est ça qui se bataille là. Donc moi-même, je dis que, écoutez, zéro citirance dans l'affaire amnistie, tout volet doit prendre code, qui tout est volé dans le marché, ou prendre code, qui tout est volé gaz, ou prendre code. Si volet, moyen volet, gros volet, tout le monde. Tu as rencontré en urgence au niveau RDNP après et tout par l'empile ça? Comment ça t'est sorti? Comment ah non, permettez que je vous dise, oubliez nos partis, rassemblement démocrate. Tendez deuxième mois, démocrate. C'est la démocratie. Ou pas bien jouer tout le monde d'accord ensemble avec vous. C'est le dynamisme démocratique, même qui voulait ça. Au contraire, c'est une bonne chose lorsque nous, au sein d'un parti politique,
capable de gagner une certaine opposition. Ça tout préparer dirigeant à leur prendre pouvoir pour l'habituer avec opposition lui-même tout. C'est ça qui fait que c'est important pour que mon nan gagne en vie politique, parce que parti politique là, c'est ce que c'est ça lié, ils sont petits chambres qui préparent pour aller prendre pouvoir. Donc si ou non terrain ou après entraîner, bon, l'arrivée qui est sous pouvoir et le soit pas l'opposition, tout bon. Mais non, et le RDNP est un et indivisible. Comment est-ce que nous sommes là pour nous participer dans ce nouveau gouvernement qui parle de gouvernement cohabitation? Est-ce que nous pour lui? Écoutez, au sein du parti, qui c'est un parti indépendant, au sein du parti qui c'est un parti indépendant, nous toujours dire que le RDNP est prêt pour servir l'État de son pays, mais pas un gouvernement. Le RDNP est prêt pour servir l'État pays, mais pas un gouvernement.